Depuis sa parution, les mémoires de Jean-Marie Le Pen battent des records de vente et nous avons les images. Regardez. Mémoire de Jean-Marie Le Pen, tome 1. Jeune, j'avais peu de moyens financiers. Heureusement, j'étais fort débrouillard. J'ai confectionné ce bandeau simplement en découpant ma cravate. Précurseur dans les années 70, je me battais pour l'égalité homme-femme. Ah, Pierrette, serre-moi donc un drink. Femme. Et bouge-toi. Tout de suite. Feignasse. Jeune, beau et dynamique. Tantôt surfeur californien. Bouge-toi, bateau. Bétec. Tantôt boxeur comme Mohamed Ali. Je battis le premier parti démocratique de France. Et c'est à ce moment que l'histoire devient plus triste. C'est vrai, ma fille Marine, à qui j'ai tout donné. Mais peut-être la veste était-elle trop grande pour elle. Tu te rends compte, papa m'a obligé à mettre son costume alors qu'il est quatre fois trop grand pour moi. C'est vraiment la honte. Oh, il me saoule être toujours derrière mon dos. Oh, vous savez ce que je vais faire maintenant que je suis la chef? Eh ben, je vais le virer de mon parti, voilà. Espèce de salope, tu vas pas... Ah, au fait, vieux débris, tu sais que j'ai changé le nom du parti? Et comment? Je te dis que je viens de changer le nom du Front National. Comment? Je te dis que ça s'appelle le Rassemblement National maintenant. Mais c'est déjà pris, pourquoi tu changes pas? Ah, j'étais quand même plus heureux quand jeune j'étais pirate des Caraïbes. Même si je suis pas fan des Depp. Jean-Marie? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je te dise, je crois que je suis homosexuel. Dégueulasse. Voilà, maintenant que même mon parti n'a plus de nom, il est temps pour moi de courir vers d'autres aventures. Et bon pied, bon oeil. Putain de jambe. Je vais y arriver. J'ai quand même 20 ans. Quand j'étais pareil, je sautais. Et go, go.